Nos héros, à travers la tour sombre, viennent de purger le rez-de-chaussée. Au-dessus d'eux, très certainement, l'ennemi final de leur aventure. Mais Elias a ressenti quelque chose, plus proche d'eux, peut-être même en dessous. Le sous-sol va avoir besoin de leur colère et de leur purge. Messieurs, ces bêtes n'étaient que deux, mais Abusen a passé pas loin de la mort avec une réussite critique du MJ absolument magnifique. Qu'est-ce que vous faites? La situation revient au calme, mais tout de suite, Baldur, tu te retournes vers Abusen en faisant « Donc j'en avais pris. » Oui, j'ai beau être inquisitorial, j'ai mal. J'ai mal. Je vous réquisitionne vos pansements. Oui, non, t'inquiète, je vais foutre un petit sparadrap, un bisou magique et ça va passer. En plus, t'es à la bonne hauteur. Ah, petit salaud. Alors, mais bien, je pose le bordage et puis on... Vous pouvez vous séparer, si vous voulez, pendant que Baldur et Abusen se font des câlins. J'allais dire, ce que je propose, étant donné qu'on sait que l'étage est vide, Abusen et Edgar, peut-être avec Baldur, tu vas où tu veux, mais Abusen et Edgar, je me dis, vous pouvez aller visiter la pièce du haut pour la fouiller. Et puis Aedan Abusen et moi, est en train de se faire soigner par Baldur, il ne pourra pas bouger. Bon, bah alors à la limite, Edgar, puis pendant ce temps, moi et Aedan, on va fouiller la pièce du bas. Ah oui, non, mais oui, il n'y a plus rien à cet étage, comme tu l'as dit. En bas, ici, il y a des portes. Attends, je te montre. Elles sont, non, elles sont là. Ah oui, c'est vrai, ouais. T'as bien vu. Là, il y a des bien. Portes. Donc, on va faire séparer. Tout le monde en laisse son casse à part Edgar qui part tout seul vers le nord. Edgar, je te laisse entrer dans la pièce. Petit AFK. Edgar, quand tu rentres dans cette pièce, tu vois qu'il y a un énorme éboulement. C'est la première chose que tu remarques. Mais un éboulement qui est en train de se faire apparemment reconstruire. Ou en tout cas, les pierres sont un peu trop bien entassées pour pouvoir voir un éboulement naturel. L'usure a fait son temps, mais tout de suite, ce qui te choque, c'est que tu vois des instruments de torture. Tu vois justement ici même de la peau humaine qui était étirée littéralement comme pour en faire un tanneur, tu vois, un atelier de tanneur. Et tu remarques des endroits, des outils de torture. Les ghouls, tu le sais, ne sont pas assez intelligentes pour utiliser des instruments de torture, mais tu sais qu'elles adorent venir se repaître de cadavres. Tu ne trouves aucun ossement, mais tu remarques très certainement que cet endroit était un endroit de torture pour des gens en vie. Je vais faire un rapide prière à Sigmar pour bénir ceux qui ont péri ici et m'excuser de ne pas arriver plus tôt. Très bien. Tu enlèves ton casque et les autres vont les remettre. Les prochains, ça sera Elias et Aedan. Désolé pour ceux qui ont remis les casques pour rien. Elias, Aedan, vous dirigez vers le sud. Allez-y, plus avancez, allez-y. Comme vous voyez, il y a des portes au sud. Elias est sûr de lui. Il n'y a aucun danger. Est-ce que vous ouvrez les portes? Oui. Ouais. Absolument. Lorsque vous ouvrez les portes... Je reste attentif malgré tout. Tout à fait. Vous voyez... des cages. Des cages, du sang, des ossements. À l'intérieur, des ossements d'enfants, d'humains. Et vous vous demandez qu'est-ce que ça fait là? À quoi pouvaient servir ces cages? À l'intérieur, des tissus typiques de l'Empire. Du sang, comme si les gens avaient été dévorés à travers même les barreaux. Mais des morceaux qui manquent. Est-ce qu'ils ont servi pour les expériences? Vous n'en savez rien. Et face à vous, un escalier qui descend. D'accord. Vous laissez rejoindre les autres après. Il n'y a vraiment rien d'autre à voir pour l'instant. Elias, quand tu vois cette scène, juste avant que Aedan recommence à faire demi-tour pour rejoindre Baldur et Othmar. Othmar, je te fais même pas faire de jet à Baldur, soit il a sécurisé ta blessure. Elias, la dernière chose que je peux te dire, c'est que peut-être que les râles d'âme que tu as ressentis et pas entendus venaient peut-être de ça, ce que tu vois. Vous vous rejoignez tous à ce moment-là.
Et même en bas de l'escalier, on voit rien, il n'y a rien. Non, rien l'escalier même d'ailleurs tourne. C'est un escalier qui tourne, il descend et il tourne. D'accord. En colimaçon. Et là, en fait, si possible. Rien. Attendez. Rejoignez-vous déjà avec vos tokens. Bah, en fait, moi, si possible, je voulais pas les rejoindre tout de suite par rapport à Serral, Dame, en fait. Je vais laisser Aidan rejoindre les autres, par contre, pour qu'il y ait quand même quelqu'un qui revienne. Et Elias, tu enlèves ton casque, est-ce qu'il te rejoigne ou pas? D'accord. Je voulais demander son avis au mage, moi, pour savoir ce qu'il se ressentait en bas. Ou voilà. En fait, mais tu veux que je l'aille rejoindre? Bah, en fait, ou alors vous restez vraiment tous les deux là. Ouais, et vous enlevez votre casque. Vous enlevez votre casque pour l'instant. Ouais. Ok. Edgar, tu reviens et tu rejoins justement Baldur et Abusen qui est quand même fier d'avoir servi de son corps pour protéger des habitants de l'Empire et des alliés. Et je l'ai regardé avec un air étonnamment triste. Je leur dis, il faut continuer. Il faut en finir. Vous écoutez, les gars. Je pense deviner ce qu'il a vu. Vous voyez que l'elfe et le mage ne reviennent pas. Je ne peux pas le questionner plus. L'elfe et le mage ne reviennent pas tout de suite. Allons voir ce qu'ils font. Hein. Vous avancez? Ouais. Ouais, on va les rejoindre. Ok, vous les rejoignez. Remettez les casques. Remets les casques ? Oui, remets les casques. Je vais baisser ton son parce qu'on entend un énorme bruit. Moi ? Voilà. Ouais, c'est bon, je l'ai baissé. Ouais. Ok, messieurs, vous rejoignez vos alliés et vous remarquez des cages remplies de sang, d'ossements, de tissus. Edgar, tu remarques tout de suite des tissus que tu reconnais, des gens qui portaient toujours les mêmes tenues. Les jeunes filles de Rixtel adoraient ces tenues. Les jeunes enfants, les jeunes personnes prêtes à se marier portaient très souvent ce tissu jaune, caractéristique de Rixtel, jaune et rouge, qui détonnait avec les couleurs du réclame de cet endroit. Des ossements petits et moyens, pas des ossements adultes, se trouvent à l'intérieur de ces cages. Et vous avez Aidan et Elias qui sont, surtout Aidan tourné vers un escalier qui descend en colimaçon, et Elias qui a l'air en train de se concentrer ou en train tout simplement d'avoir les yeux hagards envers ces cages. Je vous écoute. Elias, tu voulais me dire quelque chose? Oui, du coup, bah, c'est ces âmes, c'est ces restes d'âmes de ces enfants que j'ai vus, en fait, je pense, avec ma double vision. Tout à fait. C'est un endroit de martyr que tu viens de trouver. Mais ça veut dire, du coup, que leurs âmes, pour l'instant, ne connaissent pas le repos, nous sommes d'accord? C'est des râles que tu as entendus, pas des âmes véritables. C'est-à-dire que c'est un endroit qui a tellement connu d'horreur que le vent de mort, la magie de Siish, a presque conservé cet endroit comme une petite délectation pour le vent de Siish. Il n'y a pas d'âmes présentes ici, ce sont des râles lointains. Est-ce que elles sont pas prisonnières, donc je peux pas les libérer ou quoi que ce soit. Je peux rien en faire. C'est comme un écho qui reste, si tu veux. Ok. Je peux rien en faire, du coup, de cet écho. Ok. Quand ils arrivent, je me retourne et puis je leur montre l'escalier qui descend, quoi. Et je dis, il y a un escalier qui descend, donc je sais pas ce que vous voulez faire parce que la menace est au-dessus. Donc, je sais pas. C'est vrai que le temps joue contre nous, donc pour le coup, je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à proposer. Bon, on s'en remet à votre vision, mage. Si vous dites qu'il faut aller en haut, on vous suit. C'est vous qui avez la deuxième vue. La source, le vortex, l'épicentre du vortex de magie est en haut, effectivement. Donc, est-ce qu'on laisse l'étage du dessous pour l'instant? Parce qu'il pourrait éventuellement y avoir d'autres cuves en bas aussi. Oui. Donc, c'est ça qui me fait peur. En général, effectivement, on prépare les choses en bas. Mmh. Oui, on va avoir les réserves, les ateliers. C'est ça, mais c'est surtout, en fait, si pour le rez-de-chaussée, le damier était en malpierre, en dessous, sous la terre, je me demande ce qu'il y a. Et d'ailleurs, je me pose la question, qu'est-ce que tu as trouvé, Edgar, dans l'autre pièce? Rien qui mérite d'être dit. Et par contre, moi, dans l'autre pièce, il y avait un trou béant avec beaucoup de tonneaux de sang, donc oui, c'est possible que ça se prépare en bas, effectivement. Donc on pourrait aller
on pourrait aller sécuriser le... Après, on a des traces de Malpierre. Qui dit Malpierre dit Skaven. Les Skaven voyagent en sous-terre. Peut-être qu'ils ont creusé l'accès jusqu'à la tour sous-terre, donc ça peut être intéressant d'essayer de le reboucher. Je suis pas sûr qu'il reste interdit de Skaven. Ouais, enfin, techniquement, on a quand même vu des cadavres de Skaven dans la forêt. Ils sont bien arrivés par quelque part. Tout à fait, Baldur. Ça, c'est vrai. Ah, attendez, on a perdu encore Elias. Il revient. Ah, bon. Pas de soucis, pas de soucis. J'adore comment ça zoom, Quentin, c'est trop bien. Ok. Je suis tout à fait... je trouve très 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 pertinent. Tu n'aurais pas eu d'avantage, tu en aurais eu un à ce moment-là, Baldur. Pour avoir remonté ce fait. Vous n'avez pas trouvé d'ailleurs que ça, hein. Vous avez trouvé d'autres choses. Sur le chemin. Où est-ce qu'on descend pour savoir, ou est-ce qu'on monte pour combattre? Bah, c'est toujours la même logique, on va pas être pris en revers. Donc... Autant descendre ou alors poser une glyphe ici ou descendre au moins voir ce qu'il y a en bas avant. Elias, je t'accorde le fait avec ta réussite critique tout à l'heure en double vue que rien ne t'a brûlé les yeux quand tu as regardé autant le sol que le plafond de tout cet étage-là et vous sentez bien que le colimaçon descend plutôt vers la gauche. Ok, je ne détecte pas de malpied, en tout cas j'ai pas de phare qui m'explose au visage. Donc c'est vrai que après, ça explose souvent les phares. Edgar, quand tu es rentré dans l'autre pièce, il y avait des cuves avec des abominations, je pense. Vu que c'est, c'est ça que j'ai vu. Moi, je suis tombé assez vite à genoux, en train de prier. Et je ramasse un morceau de tissu jaune que je noue à mon marteau. Et en me relevant, je te le répète, il n'y a rien qui mérite d'être su dans cette pièce. Ah, si cette pièce n'avait ni malpierre ni cuve, je peux pas. On peut partir de l'hypothèse que pour faire ces golems, ils ont besoin de malpierre. Donc si on voit pas de mal, si je ne vois pas de malpierre à l'étage du dessous, il y a des chances qu'il y ait pas de cuve. Après c'est une hypothèse personnelle. Il y a des chances qu'il y ait pas de cuve et du coup, il n'y a pas un danger énorme qui pourrait nous prendre à revers. Mais après, je ne sais pas non plus tout ce qu'il y a à l'étage du dessous. Je viens dit que c'était aussi très dense à des endroits. Tu n'as pas pu même traverser ça. Ouais. J'aimerais soumettre une hypothèse. Tout ce qui était Terrier Skaven, tout ça, enfin en tout cas ce sous-sol, si effectivement il y a de la malpierre, peut-être que c'est un relais. Enfin, ça a servi de point de passage pour transporter la malpierre, parce qu'il y en a quand même une sacrée quantité. Et l'autre, moi je raisonne toujours en bonne impériale, je me dis qu'on met la poudre au sec. Et. Est-ce qu'on est taille à affronter ce qui reste dans la tour? Moi je me dis peut-être qu'il y a une chance de trouver un truc pour vaporiser cette tour. Sans y rester nous-mêmes? Ah ben non, mais on n'est pas con non plus. Alors, on va faire une mèche. Après, enfin, ça ne dérangera pas l'inquisiteur de mourir pour sa patrie et la protéger. Ah, si je peux éviter, mais oui. Bah du coup, ouais, on va plutôt descendre, voir ce qu'il y a en bas. Ouais, ça m'assure. Vous descendre? Ouais, après, on va faire David. Ça. Oui. Est-ce que aussi la malpierre ne pourrait pas juste être utilisée comme on va dire une sorte de catalyseur pour que les pseudo-golems absorbent la magie, on va dire plus vite ou soient plus vite imbibés de magie, mais qu'ils puissent le faire sans. Mais oui, c'est très bien. C'est hors de mes compétences. Mais oui, très bien. Oui. C'est hors de tes compétences complètement. Ouais, je me sensais. Désolé, hein, mais on va pas tout dire non plus. Hein. T'aurais été ingénieur, tu vois, au pire, peut-être que je t'aurais autorisé quelque chose, mais là, non, t'es une longue barbe. Hein. Déjà, t'as du mal à accepter que certains de tes proches aient passé à l'arquebuse, alors... la poudre d'or au petit matin sur du Skaven, c'est magnifique Donc vous vous descendez, messieurs? Ouais. Ouais, je pense qu'on va faire ça. Très bien. Vous est-ce qu'il faut une petite pause? je souhaiterais nettoyer mes armes de façon à être opérationnel. Tu as pu le faire, Abusen, pendant que Baldur s'occupait de toi. Tu as nettoyé au plus rapidement possible tes armes. Elles sont, je te l'autoriserai, utilisables dans 5 tours. Ok. Pour être sûr de toi. Et messieurs, vous passez à une autre carte. Vous descendez
Edgar en avant avec Baldur. Pourquoi j'ai mis comme ça? Parce qu'ils fonctionnent très bien en duo et ils sont excellents pour combattre dans un escalier. Le tank et le DPS. Et vous arrivez à un premier angle et vous sentez tout de suite une odeur. Tout de suite, une odeur de pourri. Une odeur d'humidité ambiante absolument partout ici. Qu'est-ce que vous faites? Bon, bah pas poudre sec. On sait jamais, on trouvera peut-être. Tu peux changer ta poudre par contre, Abusel, si tu le désires. Pardon? Tu peux changer ta poudre si tu le désires. Ah, bah, de toute façon, si je démonte tout, enfin si je nettoie toute l'arme, la poudre aussi. D'accord. Je vais juste. Attendez, bougez pas. Je vais augmenter un tout petit peu la taille de vos tokens. Attendez, arrêtez de bouger. Eh, pardon. Ah, voilà. Excusez-moi, j'avais mal réglé la taille. On a pris du muscle. Messieurs, et puis quelques centimètres. Que faites-vous? Vous pouvez bouger, n'ayez aucune crainte. S'il y a quelque chose d'intéressant, je vous le dirai. Ou alors je vous ferai faire des tests, bien entendu. Qui passe devant quand même? Là, vous avez vu que c'est un tout petit peu plus étroit. Vous pouvez toujours tenir à 3 pour l'instant en largeur. De toute façon, premièrement, enfin, on essaye d'avancer plus ou moins prudemment. Donc après, on sait pas, pourrait y avoir des pièges. Ça semble pas être le genre de l'endroit, mais on sait jamais. Qu'est-ce que c'est dans une ancienne tour, hein. Vous avez pas, c'est pas un donjon et dragon, les gars. Qu'est-ce qu'il y a au bout du couloir? On dirait un caveau. Edgar, Abusen, Elias. Parce que vous êtes humain et sigmarite. Quand vous arrivez ici, vous voyez le premier en face de vous. Oui, vous êtes à l'étage inférieur, sous terre, très certainement dans l'ancienne crypte de la famille de la tour. Est-ce que le sarcophage a l'air d'être ouvert? Comme tu le vois, il a l'air d'être toujours scellé, très étrangement. En tout cas fermé. Ça me rassure. Vous avancez. L'odeur de pourri émane de plus en plus. Quand vous arrivez là, vous voyez une statue énorme d'un homme en armure lourde, antique de l'Empire, portant un énorme marteau. Ça vous fait plutôt penser vraiment, là tout de suite, je vais même faire le test, pour les impériaux à l'époque Sigismund. C'est extrêmement ancien. Est-ce qu'il y a un nom sur le tombeau? Il n'y a pas de nom, l'usure l'a détruite. Il n'y a donc aucun entretien, et comme vous l'avez senti quand vous êtes descendu sous Castelgosser, aucun sigle de mort est actif. Moi je voudrais Ça pue. Les Sigmarites, est-ce que vous êtes d'accord pour fouiller le tombeau ou c'est profané? Non mais est-ce qu'il risque pas de se réveiller? Sinon tu peux les laisser partir devant et Maître Elf, je ne suis pas sûr que ça soit le bon moment pour faire l'humour. Il n'y a, je pense surtout qu'il n'y a absolument rien dans ces tombes, enfin dans ces sarcophages qui soient utiles pour notre mission, donc laissons les morts où ils sont. Non, mais par contre, il peut y avoir un squelette entier qui peut se relever plus tard. Voilà, c'était juste pour le démembrer. Raison de plus de ne pas ouvrir le tombeau. Voilà. Tant qu'il est scellé, il ne pourra pas sortir de l'intérieur. L'époque Sigismund, ça remonte à combien? Si on sait. C'est Gorbat Griffe de Fer. Donc c'est époque des trois empereurs. Oh bah t'étais un poil au menton. Oui, il était même. Non, même lui, il n'était pas né. Peut-être Edan était en confection, peut-être. Est-ce que c'est ici que les glyphes de mort sont censés être actifs ou oui, pas? Oui, à chaque statue et même à l'endroit de, quasiment, vous devez ressentir le mort à peu près à chaque tombe que vous passez. Est-ce qu'il y a moyen de, comme on avait fait au Castelgosser, de prier pour essayer de les réactiver? Tu peux. Après, mais du coup, tu n'es pas un prêtre de mort. C'était Brianna Gosser qui avait réussi à faire un sigle de Myrmidia dans sa crypte familiale. Et malheureusement, je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas un religieux non plus, je suis juste un mage de la mort. Tout à fait. Vous pouvez le faire si vous voulez. Bon, les tanks, je vais essayer quand même. Edgar, je vais quand même un test, par contre, ce coup-là, pour poser ton glyphe. Avec la protection de Sigmar, donc test à intelligence à 40. Je te donne un bonus de 20 parce que tu n'es pas en zone dangereuse, pour l'instant. Allez, 60. Edgar. Pour l'instant. 62. Ah, ça va te prendre du temps. C'est pas un échec parce que tu te concentres là-dessus, mais tu vas devoir rester seul pendant un tour. Edgar, pèse dans mon Sigmar. Partez devant. Bon. Edgar pose son glyphe au sol.
Donc. Bah, du coup, en fait, vu qu'on a posé le glyphe, donc je continue à avancer pendant que je parle, mais est-ce qu'on ferait pas demi-tour ou est-ce que vous voulez vraiment tout fouiller ? Otmar, quand tu arrives à ce niveau-là, tu remarques des tombes. Ou non. Non, non, c'est pas des tombes. Des caisses recouvertes de bave ? Non. De toiles d'araignée ? Non, qu'est-ce que c'est ? D'une espèce de fongique ou de. D'une espèce d'huile mélasse blanchâtre. Et quand tu arrives à cet angle, Aidan et toi. Vous entendez quelque chose approcher. D'accord. Quelque chose d'énorme. Messieurs, ça ne vous a pas repéré. Ça erre. Le son provenait de la droite. Edgar, ça a résonné dans tout l'endroit. Ta prière vient de se finir. Messieurs, si vous le désirez, vous pouvez faire un tour de table ou voir un point strat. 3, 2. Tant que ça ne t'a pas repéré, j'aimerais jeter une flèche tant qu'il ne m'a pas repéré pour passer devant. Et bah, est-ce qu'on fait quoi ? Point strat ou pas point strat ? Un point strat. Point strat. Allez, le point strat. On va en avoir besoin, je pense. Et. Commencez, je vous en prie, balancez tout. Déjà, Aidan, arrête d'essayer de tirer sur tout ce que tu vois. Ouais, déjà ça. Surtout quand ces choses ne vois pas encore. Bah, justement, en fait, ça fait x2 en dégâts. C'est comme les portes, ça se défonce pas. Si c'est un truc qui est mort-vivant. Faire 48 dégâts s'il m'a pas vu. Si c'est un truc qui est mort-vivant, vu que Edgar a placé son cycle, il peut plus sortir, donc il nous embêtera pas. Donc on peut mais si ça bave partout, c'est peut-être pas mort-vivant, c'est peut-être juste un troll. Ouais, voilà, moi aussi, ouais. Un troll. Là. Bien vu. Par contre, qu'il soit passé là, c'est étrange. Mais je pense qu'on a une autre mission que tuer des trolls. C'est ça, on a rien à faire ici pour l'instant. Baldur, tu me fais un test d'intelligence, Baldur. Baldur, tu me fais un test d'intelligence. Qui ça ? Baldur. Par rapport au souterrain, c'est ça ? Intelligence, tu es à 60, sur un bonus de 10, 70. Par rapport au troll, j'imagine ? Très généreux. 21, ça ne ressemble ni à un cri de troll, ni à un rugissement de rat-ogre. Faudrait qu'on puisse... Ma double vision me permet d'identifier ce que c'est ou pas ? Tu pourras l'utiliser, mais tu ne l'avais pas activé une fois que tu étais en bas, malheureusement. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que ça peut être une créature mort-vivante ? Au pire, c'est pas nos affaires, j'ai envie de dire. On a rien à faire ici. Hein. C'est ce que je pensais aussi. On est descendu pour voir s'il y avait un danger. Il n'y a qu'une seule sortie et on vient de la bloquer avec un glyphe. Donc moi, je pense qu'on peut faire demi-tour. Mais si c'est pas un mort-vivant, il va pouvoir passer et nous arriver dans le dos plus tard. Mais si c'est pas un mort-vivant, il sera pas appris par le nécromancien. Ouais, mais il peut entendre du bordel et venir. Vaut mieux le buter maintenant. Bah, déjà, on a foutu du bordel au premier étage, donc il va pas attendre deux étages au-dessus. Attendez, il y a Abusen qui veut dire quelque chose. Non, simplement on recule et Aidan va voir. C'est le plus discret. Il est très très curieux. Bah c'est Elias, vrai que vu que t'es le plus discret, tu pourrais partir. Je peux t'accorder le fait au moment du point strat parce que ça peut s'enclencher avant le point strat. Vu que tout le monde a entendu ce bruit et que vous êtes tous figés, tu me fais un test d'intelligence s'il te plaît pour non seulement activer ta vision double, mais surtout pour essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a au bout de ce couloir. Je tiens à préciser, si tu fais 25 ou moins, je te donnerai pas mal de choses. Moi ? Oui, Elias. Ah, pardon. C'est parti. Pour activer ta double vue. Non, j'allais encore cliquer sur un D20. On va éviter. L'habitude Donjons et Dragons. 25 oh yes. Très bien joué, Elias. Tu fais le score presque maximal, en dehors, bien sûr, d'une réussite critique. Elias. Tu concentres ta volonté au moment où le cri retentit et où tout le monde s'est arrêté comme si il avait déclenché lui-même un appel à ta magie. Tu relances tout de suite ton sort, tes yeux s'illuminent d'améthyste et tu remarques ces choses quand elles sont entières et complètes. Au bout de ce couloir, comme un gardien, il y a une de ces créations qui était dans les cuves. Tu la vois, elle a l'air posée sur un
ou quelque chose qui a l'air encore plus profond. Elle est certainement sur une grille, tu n'arrives pas à voir, ta double vue te permet que de voir la matière un petit peu d'une manière transparente et de voir les âmes ou les créations nécromantiques. Tu sens que ta vision est légèrement troublée en voyant cette créature. Tu sens que un glyphe anti-nécromancie ne l'arrêtera pas. C'est une mutation en plus d'être à la fois démoniaque et nécromantique. Mais une dernière chose avant que tes yeux commencent à te brûler légèrement, ce qui te fait penser à ce que tu as vu dans la salle au-dessus. Cette vision double sur ces créatures te dérange. À la dernière fraction de seconde, tu sembles remarquer que cette chose est liée par un filament de Siish, non pas à un créateur qui dirige, mais à un lieu fixe au-dessus. Comme s'il y avait un lien avec un objet au-dessus. Et là, d'un coup, ta vision se retrouble à nouveau et se rebrûle. Tu la coupes tout de suite. Donc, tu comprends aussi que ces créatures ont peut-être de la malpierre sur elles. Maintenant, vous pouvez faire votre point strat avec tout ce que vous a donné. Et il n'a pas fait une réussite critique, il n'a pas tout vu encore. Je pense qu'en fait, on devrait écouter Aidan. Il veut y aller discrètement, faire attaque dans le dos, dégâts doubles. Je vais préciser que la créature semblait tourner vers vous et non pas vers l'arrière. Elle ne vous tourne pas vers l'arrière. Je pense qu'il y a moyen, en fait, de très bien se synchroniser. Si je coupe ce lien qui le relie. Tu sens tout de suite, Elias, que tu n'es pas capable de couper ce lien. Il faut détruire la créature pour tuer le lien. C'est la seule chose. Ce n'est pas un lien magique, ça a l'air d'être plutôt un sceau. Ok, non, bah alors du coup, j'allais dire. Bon. Bah du coup ça change très légèrement, mais si j'arrive à lancer un sort pour l'affaiblir, un dévoreur d'âmes, et que dans le même temps Aidan vise et tire une flèche dans son point faible, il y a moyen éventuellement de s'en débarrasser. Sinon, ça fait beaucoup de signes, mais oui. L'affaiblir. Bah, sinon, plus simple, il y en a un qui part sur la gauche et qui attire les créatures. Quand la créature passe à ce niveau, Aidan lui tire dans le dos. En tant que non, non, mais déjà, non, il y a moyen de le surprendre tant que. Au sang, on va essayer de voir. C'est ça. Oui, mais il est face à nous. Vers où il est, il est face à toi. On peut attendre un peu. Ah, il est face à nous. Ah, j'avais compris qu'il était face au fond de l'autre côté. Non, justement, il est face vers vous. Peut-être qu'il a senti ou ressenti quelque chose. Il a juste gueulé comme s'il y avait eu un intrus dans son antre. Messieurs, votre poisson ne va pas durer non plus éternellement parce que vous n'êtes même pas dans la salle du boss. Attention, vous imaginez bien. Mais peut-être qu'il y a une importance. Ouais. Moi, je pense qu'on devrait quand même tenter de s'en débarrasser, mais c'est vrai que bon, bah, il faudra quelqu'un pour faire diversion. Du coup, simplement, donc si j'ai bien compris, il y a un truc en haut qui retient ses fils et qui n'est pas un mage. Non, ça doit être une décuve. Et, du coup, est-ce qu'ils vont pas mieux aller foncer là-dessus ? Je pense que c'est l'inverse. C'est peut-être que l'objet est protégé tant que cette créature est en vie. Non, moi, il faut tuer la créature pour moi. Par ça, on va nous prendre un revers. Edgar récupère un avantage. Merci les RPG. Bah du coup, comment est-ce que vous voudriez vous y prendre? Parce que bon, bah, c'est une créature unique qui a l'air très costaude. Donc moi, je peux l'affaiblir. Je peux effectivement l'affaiblir ou alors attaquer son commandement. Si jamais. D'attirer l'attention. La pièce, elle est illuminée ou pas? Parce que lui, il peut nous voir. C'est ou toujours pas illuminé. C'est pour ça qu'il a fait son cri. C'est qu'Elias émet de la lumière. Ah oui, putain. Donc il vous a vu. Il vous a vu. Cours pour l'attirer. Il vous a vu. C'est juste que là, je vous laisse l'occasion parce que c'est une créature débilus. Elle a émet un cri. Moi, je propose de reculer. Elias te teinte en battant et on essaie de le surprendre dans la pénombre. Ouais. Combattre une créature comme ça dans le noir, je suis pas sûr parce qu'elle vit dans le noir, elle. Ce que je pourrais. Alors, tu laisses ton bâton au sol. Ce que je vous propose quand il s'approche de la lumière, là, c'est pas si con. C'est pas si con, hein. Alors moi, ce que j'aurais plutôt tendance à vous proposer éventuellement, c'est de refaire une stratégie que on a fait dans une autre dimension, dans un autre temps. Je lance un sort pour l'affaiblir et les tireurs vous tout ce que vous avez. Et puis ensuite, bah, dès qu'il arrive au contact, on lui met tout ce qu'on peut, mais j'essaye d'abord de bien l'affaiblir un bon coup. Non, mais je pense que si on le prend de face, on est mort. Déjà qu'on se fait maraver par des zombies et des je goules. Je tiens à préciser, Elias, qu'il faut que tu aies un point de vue visuel sur ta cible. Tout à fait. On va en par là, il y va, et boum, on le tire. C'est ça, parce qu'on a un moyen de le one-shot dans le dos. Ça serait dommage d'essayer de le confronter de face. Allez, je veux une stratégie tout de suite. Il y en a un qui me résume une stratégie. Belle dure, peut-être.
Alors, non, en fait, moi, c'était pour en proposer une. PV. Et... Non, non, c'était pour potentiellement proposer une. Est-ce qu'on peut se cacher derrière ça ou pas? Non. Ce sont des caisses, des grandes caisses qui sont collées au mur. Ah, merde. C'est des caisses en bois vermoulu dégueulasse. Hein. Ça va pas et arrêter. Si on met balle dure dans la caisse, ce qui est caché? Non, mais... C'est la question. Non, justement, j'aurais... Non, je pense pas que je suis assez grand pour atteindre un point faible, malheureusement. En effet. Moi, je pensais que si Aiden pouvait se cacher sans que l'autre le voie en faisant reculer la lumière, mais encore, on sait mais pas... Mais va venir. On sait pas s'il peut voir dans le noir ou pas. Il n'y a pas besoin de voir dans le noir parce que vous avez littéralement votre mage qui émet de la lumière et c'est ça qui vient de le faire crier. Donc il sait où vous êtes. Il sait pas combien vous êtes, mais il sait où vous êtes. Voilà. Après, sinon... S'il y a un changement ou qu'il n'y ait pas de changement, il va venir. Sinon, on mélange les deux plans. C'est-à-dire que tout le monde part sur la gauche, sauf Aiden qui reste là. Nous, on le marave de sort et de tir le temps qu'il avance. Et dès qu'il arrive à portée, Aiden lui tire dans le dos. Non, mais il va me sentir. Et ce sera pas trop. Si on lui tire dessus, je pense qu'il va pas être concentré sur toi. Il va me voir. Non, mais il suffit qu'il fasse. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ou tout le groupe qui devra encaisser une phase. Minimum une phase. Tu seras, je pense qu'Aiden sera plus discret tout seul dans le noir. Si on recule jusqu'à la glyphe, ça va l'affaiblir quand il va. Comme je l'ai expliqué, comme l'a ressenti Elias, vu qu'il a fait un très beau score. Ah oui, non, ça a rien du coup. Ça ne va pas le ralentir. Allez, je veux une décision, messieurs. Votre point start est terminé. On y va. On passe à la phase de fight. Parce que là, c'est bien un fight. Messieurs, que faites-vous? Tour de table. Le plus rapide agit en premier. Aiden. Alors, je vais avancer, essayer de tirer dessus dès que je le vois avant qu'il réagisse trop. Tu es assez rapide pour faire l'avancée. Très bien, tu peux avancer comme tu le désires. Votre champ de vision, mais les gars, ce que vous voyez avec votre arc de cercle de lumière, c'est votre vision. Tu veux pas que je l'affaiblisse avant? Écoute, c'est son tour. Vous avez un point strat pendant plusieurs minutes. Il préfère balancer une première flèche, mais comme tu le vois, tu ne le vois pas. Il faut que tu avances encore un peu. Non mais je reste là pour le moment, j'attends de le voir. Alors tu préfères seulement faire un déplacement pour l'instant, mais sans utiliser ton tir. Très bien. Et je dis à Elias, limite éteins ton bâton. Ok. Aylan, tu as bougé et tu as demandé à Elias d'éteindre son bâton. Otmar, non, si tu es en défensive, c'est Elias qui agit en premier. Je pense pas que je vais éteindre mon bâton, parce que sinon après on va devoir l'affronter dans le noir. Alors toi t'es Nyctalope, mais personne d'autre. Par contre, vu que c'est moi qui mets la lumière, si je m'avance pour tenter de le voir, il va nous repérer, il va nous foncer dessus. Donc, est-ce que je peux, en fait, entre guillemets, passer mon tour pour jouer en dernier? Jouer en dernier, alors. T'es sûr que tu veux pas te déplacer, par exemple? Ben, le problème, parce que là, c'est que si je me déplace, rien en vue, la lumière se déplace avec moi. Donc tu vois que jusqu'ici, hein. Ouais, justement, c'est ça. De toute façon, il t'a repéré. T'es de lampe torche dans le noir. Bon, je vais avancer alors, puis je prépare en préparant un sortilège dans ma tête, mais pour l'instant je le vois pas, donc je peux pas le lancer. Ok. Ensuite, on passe à Abusen. Les flingues sont prêts. Oui, je t'accorde le fait qu'elles soient prêtes. Ok. Je les sors les deux. Les deux. Tu restes à cette position. Je passe en offensive. Non, je recule. Je fais deux pas en arrière. Sortir tes flingues, faire deux pas en arrière, passer en offensive, ça fait déjà pas mal d'action. On va s'arrêter là. Edgar. Du coup, tu m'as avancé, mais c'est où j'étais avant le point strat ou... Non, c'est parce que tu as fait le point strat, ça t'a permis de t'avancer avec les autres. Ok, je peux m'avancer jusqu'à où? Comme tu le désires. 7 mètres, c'est déjà pas mal. Hein. Ouais, je pense, ouais, du coup, mettre au moins jusqu'à cet angle là, je peux. Ça me va. Alors là, c'est un rocher, il vous bloque le passage, il est trop gros. Ah, ok. Pour finir, Baldur. Solo XP, Baldur! Ah, mais y a pas de chemin à gauche. Non. Je vais m'approcher de la foule et pour l'instant pas trop dépasser et j'aviserai selon la suite des événements. Très bien. La créature avance dans votre direction. Est-ce que vous la voyez? Oui. Elle est en train d'avancer. Elle est énorme et gigantesque. Et celui qui a attendu pour agir, c'est Elias. Et que je la vois, alors c'est un gros morceau. Ah bon? c'est je vais tenter de lancer sur cette créature le dévoreur d'âmes en amélioré pour diminuer sa force et sa résistance de 2d20.
Mais ça veut dire que tu le jettes à 30 ou moins. Voilà, je vais claquer mon avantage pour monter à 40. Et j'utilise ton désavantage pour t'annuler ton avantage. Je vais quand même tenter, on sait jamais. Si je prends. 30 ou moins. Force. Allez. Je vois rien. Non. 32. Ah zut. Tu tentes ton sort, mais non, ça va te prendre trop de temps, tu le sais, c'est une erreur de faire ça. Et tu coupes tout de suite les vents magiques qui essayent de te... Tu as essayé de faire trop, en fait. Tu lances ton sort et tu perds ta concentration. Tu n'arrives pas à lancer ton sort. Damned. Messieurs, c'est la fin du tour. On reprend un tour. Je vais faire un test en off caché. Très bien. Vous pouvez tous agir avant moi. Ok. Dans l'ordre d'initiative, donc Aidan, tu t'es avancé pour tirer. Moi, ouais, bah, je vais lui tirer. Donc, du coup, le point faible, j'ai pas d'angle dans l'œil droit. Je vais essayer de lui tirer. Tu veux tirer dans l'œil droit, c'est moins 20 pour tirer. Moins 20. Pour viser, surtout un œil, c'est très compliqué. Allez, ouais, moins 20, il t'a repéré malheureusement, donc pas de bonus en CT. C'est parti, tu es toujours en offensif, let's go. Le but, c'est qu'il me voit plus. Oh, le boss 16, ce n'est pas un critique, malheureusement, mais ça passe. Extraordinaire. Je fais mon test de résistance. Oh. Et c'est un échec critique. 97. La flèche le transperce, tu me fais dégâts max direct à Aidan, vu que j'ai fait un échec critique. La flèche est logée à la place de son œil. Tu me fais. C'est dégâts double max, donc c'est 24 de dégâts. Et ça ne l'arrête absolument pas. Ah ouais. C'est un golem nécrotique, hein. Muté en plus. C'est quoi ce 19? Bah, c'est des... non, en fait, non, t'es en offensif et j'ai fait un échec critique. Ouais, c'est dégâts max. Dégâts, j'avoue, 9 et 10 en dégâts violents. Hein. Ah ouais. Violent, violent. Messieurs, il a agi, Aidan a fait un headshot à nouveau, il vous a quasiment one-shoté beaucoup de mobs ce soir, et ça n'a pas suffi à abattre ça. Je passe à Elias, tu seras obligé d'agir en dernier vu que tu as perdu ta concentration au tour d'avant. Ça marche. Otmar. J'attends qu'il rentre dans mon angle de tir. Tu agiras après Elias. Edgar. Je peux pas me caler sur le mur pour la choper de flanc. Donc... Pardon ? Je peux pas me caler contre le mur. Sur le comme je te l'ai dit, il y a un rocher qui t'empêche. À moins que tu risques un test d'agilité pour essayer de grimper, mais ça va te donner en plus du malus après pour frapper. Parce qu'il en a pas beaucoup crevé, donc il y voit moins bien. C'est le droit qui l'a crevé. Ouais. Tu peux longer le mur droit. J'essaie de me plaquer à gauche, au contraire, pour l'attirer. Hein. D'accord, ah ouais. Vas-y, je t'en prie. Il te voit complètement, Edgar. Je passe à Baldur. Je vais m'avancer pour essayer sur une pseudo tenaille avec Edgar et surtout pour pas qu'il atteigne nos frêles compagnons d'arrière-garde. Ok. Elias. Ah oui, petit bestiaux quand même. Hein. Ouais, il est pas mal gros. Du coup, j'ai tenté le risque, le dévoreur d'âme au maximum. J'ai vu que c'était trop dangereux. Je vais retenter le dévoreur d'âme, mais le normal cette fois, 60. À 60. Vas-y. À nouveau, c'est parti. Tente le coup. Allez. Tu tentes à nouveau, Elias. Ça fait deux sorts que tu manques. Ça commence à faire beaucoup. Attends. Mais tu as la capacité de mage diplômé que tu as oublié. Oui, je l'avais avant aussi, mince. Hein, je l'ai oublié. Pourtant, j'avais raté que 4. Ah, dommage. Mais bon. Je te l'autorise ce coup-là. Allez, vas-y. Cette fois-là, je m'en rappelle. Donc je peux relancer le sort. Donc 60. Ah, c'est reloupé, malheureusement. Aïe. Ta magie semble contrée ou dérangée par les pics de Malpierre. Peut-être qu'il a incorporé même dans le corps. Otmar, tu vois Elias à nouveau tenter et vous commencez à voir que le bâton d'Elias commence à perdre en luminosité. Plus il tente de lancer des sorts et plus il échoue. Abusen. Je ne fais rien tant qu'il n'est pas là. Très bien. C'est mon tour. Je fais un test en j'ai caché, messieurs. Très bien. La créature s'arrête. Et vous la voyez d'un coup serrer ses poings gigantesques, les taper au sol, commencer à marteler le sol et... commence à vous foncer dessus, messieurs.
elle écarte les bras comme pour faucher le plus d'ennemis possible. Elle est ici. Il vous reste un tour. Avant qu'elle arrive, elle est en pleine course, messieurs. Nouveau tour, tout le monde agit avant. Edan, tu es le premier. Ok. Je peux passer, changer de posture et tirer ou pas ? Changer de posture et tirer, oui. Mais ça veut dire que tu ne bougeras pas. Ouais. Parce que sinon, je peux bouger et tirer. Sinon, tu peux bouger non. et tirer sans changer de posture. Ouais. Sauf que je peux pas bouger trop sur la droite vu que j'ai un peu les passages bloqués. Donc ouais, je vais passer en posture défensive. Et donc c'est la... Je m'en occupe si tu veux, je m'en occupe. Ah. Non, c'est pas ça. Ok, et je vais tirer sur son œil gauche. Très bien. Tu me fais un test à moins 30 parce qu'il te charge et non pas moins 20. Ouais. Ok. Comme un battle. Oh mais non, mais putain, mais c'est pas possible. Mais putain, mais l'archer ou elf, quoi. Le mec, c'est, pour une fois, c'est vraiment l'archer d'élite. C'est clair. Là, c'est ouf. Ah non, c'est un kite. Et je fais un 21, j'étais vraiment pas loin de faire un 0-1 en réussite. Les en résistance. Tu m'enlèves à nouveau 24 PV, dégâts maximum doublés. C'est absolument superbe. La créature ne s'arrête même pas dans sa course. Elle continue à foncer sur vous, même si ses deux yeux sont percés et transpercés par une flèche. Edan est redoutable ce soir. N'oubliez pas son point faible dans le dos maintenant. Elias. Du coup, j'ai tenté deux fois le sort. Ça a raté les deux fois. Donc je vais revenir aux fondamentaux et je pense que je vais partir pour un vol de vie. Allez, c'est parti. Ah, je te donne pas un malus de moins 10 dans vol de nuit, mais à moins 20 parce que tu as perdu 2 concentrations avant. Ah ouais, à moins 20, donc je suis... Attends. Bah, t'es à 65 en attentif 70. Ah, à moins okay. 20, 70, ça va, monsieur. Très relançable. Et... 91, 70, il ne peut pas le relancer parce qu'il a un échec de 20 relançable. Tu retentes à nouveau, Elias. Ton bâton va s'éteindre au prochain tour si tu reloupes un sort. Ah bah on combattra tous à l'aveugle. C'est ça, sauf Edan. Il continue de faire ce qu'il faut faire. Attends, pour ton bâton. Les vents de Sich ne sont plus aussi puissants qu'au rez-de-chaussée. Dan ? Oui, Baldur. Alors je suis désolé d'interrompre, t'avais pas dit qu'il ne pouvait pas utiliser son match diplômé avec son vol de vie en plus ? Ah oui, non, d'ailleurs, vol de vie, c'est une capacité, ce n'est pas ton livre de sort, donc tu ne pouvais pas le relancer, pardon. C'est bien en lien avec ton livre de sort du domaine de la mort, le match diplômé, et pas le vol okay, de vie. Ok, bon bah ça tombe bien de toute c'est pas façon. Pas grave, de toute façon tu l'as échoué, c'est pas grave. C'est équivalent au fait que tu l'as oublié tout à l'heure, donc c'est pas grave. Allez, Abyssen, t'attends toujours, je le vois pas. Je compte sur le fait que Edgar encaisse pour essayer. Donc c'est les deux plus faibles qui vont encaisser ça, on est bien d'accord. Ah non, Abyssen, c'est vrai que t'es très faible aussi. Très bien, parfait. Edgar, qu'est-ce que tu fais? Là il est aveugle. Il est aveugle mais il est en pleine charge et tient tout le couloir. Il n'y a pas moyen de se glisser en profitant qu'il voit pas. Tu me fais alors un test à agilité moins 30 pour passer entre ses jambes. Ok, non, je me barre. Tu te barres? Ah ouais, moins 30. Tu me fais un test de vitesse s'il te plaît. Ah bah ouais, parce que là du coup il va foncer dans le mur comme un imbécile. Est-ce que j'utilise mon avantage? Test de vitesse, tu es à 40. Ça te ferait un test à 50, une chance sur 2. Je te conseille, ouais. Ouais, j'utilise mon avantage. Okay. Parce que là, si tu te rates, tu t'étales. En critique ou en plus 10? Tu n'as pas précisé, mais je compte le plus 10. C'était un plus 10. Ok, 21. Tu peux bouger de la même distance que tu as fait tout à l'heure. Et même peut-être passer entre le nain et la pierre. Voilà, il fait par exemple, il prend appui sur la pierre, tu vois, il fait comme ça. Okay. Je saute par-dessus le nain et je fais un roulé-boulé. Baldur. Tu es le dernier à agir. La créature vous fonce dessus. Tu es un long barbe. Tu as encaissé peut-être plus dur dans ta vie. Mais est-ce que tu veux tenter le coup ce soir, vu que c'est une créature que tu n'as jamais rencontrée? Alors franchement, je serais full life. J'aurais tenté. 6 PV. Qu'est-ce que c'est 6 PV? Est-ce que vous avez vu le JDR d'Uberstrike? franchement, oui. Je sais pas. On a vu comment ça se finissait. Oui, j'ai vu. Je vais reculer. Hein. Je... Donc vous laissez Edan en fait le seul capable de se le prendre dans la gueule. J'adore cette idée. Donc tu recules légèrement Baldur pour que ce soit que Edan qui soit frappé. Ouais, messieurs, une fois qu'il s'en prend une. J'avoue, j'arrive à pleine vitesse.
Et Aidan, je te touche avec mon jet d'attaque. Bah attends, je suis en défensif, tu vois rien, je peux quand même esquiver. Alors, tu es en défensif, tu peux me faire un test d'agilité comme le veut ta position défensive à moins 20 pour sortir du corps à corps en pro de l'esquive. Mais ça, c'est seulement après, c'est une capacité que tu peux utiliser à ton tour. Là, c'est juste soit ton agilité pour s'en sortir, soit ta résistance. Mais sache qu'avec cette créature qui t'a foncé dessus, avec tout le monde qui te bloque le passage sur la droite, la seule esquive que tu peux faire, c'est ce que j'ai dit à Edgar, passer entre ses jambes au dernier moment avec un malus, non pas de 30, mais de 40, parce que tout le monde te gêne. Ouais. Ou alors, après, j'ai quand même là derrière, non, si pour moi, il me voit pas, si je me fous. Ah non, non, mais mec, il va foncer littéralement et prendre tout le mur au fond. Ah ouais, ok, d'accord. Donc, t'es à 35 pour esquiver cette créature. Ou alors, tu utilises ta résistance à 35. Et non, vas-y. Mais tu fais un saut périlleux avant pour atterrir sur les cailloux et lui tirer dans le dos. C'est le même principe que le 35, c'est quand même compliqué là. S'il fait une réussite critique, je lui autoriserai à faire ça. À passer entre les jambes et à tirer dans le dos. Et en force. Après, tu vas le faire. Bah oui, c'est force pour ça. De 30. Combien, ouais, pour passer entre les jambes, tu me dis combien? Bah, moins 40. Moins 40. Ah bah oui, tout le monde te gêne et lui te charge. C'est l'énorme malus absolu. Mais bon, t'as quand, t'as quand même un stat à 75. Hein, donc 40, ça te fait quand même à 35 la réussite. Hein. T'as pas un avantage, un truc dans le genre? Il en a pas. Non, j'ai rien. Allez, allez, Dan. Allez. T'as ton armure, t'as plus 5. Je peux pas sortir du cac sur le test de moins 20, ça c'est quand? Non, c'est à ton tour. Après. Parce que là, je t'ai touché. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu esquives à moins 40 ou tu tentes ta résistance à moins 20? Donc la résistance est horrible. Oui non, j'esquive, j'ai tente d'esquive. Hein. Allez. Ah, ça m'a bouffé sec. Oui. Enfin. Je pense pas qu'il fasse très mal. C'est ça. Allez, je l'ai fait en dé ouvert, les jets de dégâts sur Aidan. Les 2 dés, 10 plus 4. Allez. Autant que ses flèches. Ah non. Aidan, tu es à moins 20, tu es à 0. Vous voyez Aidan être empalé par cette créature et littéralement planté dans le mur par cette créature qui est enfoncée elle-même dans le mur. Aidan, tu descends à 0 PV. Tu es dans l'inconscience. D'accord. Il t'a broyé. Un peu de la colonne. Je vais faire un test en dé ouvert à nouveau. À 50 ou moins, il a brisé ton arc. Oh non. Aidan, tu n'as plus tes dagues et tes flèches, mais plus d'arc. L'MJ ne veut plus que tu tues ses boss. Alors, et franchement, c'est le dé, hein. C'est le dé, hein. C'est pas moi qui ai décidé, c'est quand même un monstre de 2 tonnes presque. Il te fonce dessus, c'est comme si tu te pétais sur la route d'un bison, quoi. Même plus d'un rhinocéros, quoi. Et il pèse combien, Aidan? En fait, tout simplement, il a fait. Vous connaissez le principe de la charge ogre du jeu de battle, il a réussi sa charge ogre, en fait. Oh, c'est plus gros qu'un ogre, ça. Oui, complètement. Là, c'est une mutation. Messieurs, bon, c'est un nouveau tour. Vous pouvez tous agir, sauf Aidan. Alors du coup c'est à moi. Alors il avait 20 ce PV, que quoi. Elias va faire donc, désolé, coup, là. Une action en mouvement. Elias il va reculer un petit peu. Et ensuite là en fait je suis partagé parce que d'un côté la sécurité voudrait que je ne tente pas un nouveau sort pour regagner ma concentration. Mais d'un autre côté échec sur échec sur échec, ça a frustré beaucoup Elias. Donc il a envie de continuer jusqu'à ce qu'il y en ait un qui passe. Donc je pense que je vais faire un test de force mentale. Et puis si je le rate, je lance un sort. Et si je réussis, je pense que je vais tenter de reprendre sinon, ma concentration. Sinon t'as ton bâton. Hein? Sinon t'as ton bâton. Pourquoi? Pour taper. Non, quand même, faut pas déconner. Je vais faire mon test de force mentale. On va voir, je suis à 65. J'ai des lanciers. 99 en force mentale. J'utilise. Alors là, il est tellement vénère. Je tellement vénère, il ouvre le livre de nécromancie. Non, je suis tellement vénère, je retente le dévoreur d'âme à 30. Allez, d'accord, c'est à 99, je suis tout à fait d'accord avec ça pour le faire. C'est parti. Si parce que là, il a des comptes à régler, il n'en peut plus. JPP comme on dit, et il malheureusement, c'est échoué. Tu tentes
de lancer ce sort. Et messieurs, vous ne voyez plus rien. Je vais vous demander, en termes de RP, voilà, de fermer les yeux. Fermer les yeux, c'est ça. Putain, sérieux ? Bah, en tout cas, de jouer le jeu, s'il vous plaît, décaler l'écran, par exemple, dans le noir de l'écran, vous ne voyez plus rien. Pour être véritablement RP. J'espère que vous avez une bonne mémoire et soyez honnête. Elias, ton bâton vient de s'éteindre. Abusen, tu étais prêt à tirer, c'est ton tour et tu ne vois plus rien à ce moment-là. Encore une fois, si je vois Elias. Elias, je te déteste vraiment. Je t'ai montré beaucoup. Ah, voilà, c'est bon, je vois plus rien. Non, je le vois plus du tout, on est d'accord. Ah non, vous, tu vois plus rien. Globalement, il s'est encastré dans le mur, tu sais où il était à peu près, donc tu peux tirer. Sauf que devant Abusen, il y a Edgar, Baldur, Elias. Et le cadavre des dames aussi. En plus, tes tirs vont faire de la lumière. Oui, c'est vrai. Bah, je recule. Je croyais que j'étais un tireur. Non, c'est dans le cadavre. Bah non. Tu tires pas, tu recules. Tire le premier à l'air et avec la lumière, tu tires le second. Abusen, tu fais un pas en arrière et ton dos se bloque contre le mur. Bah, j'ai le bras contre le mur quand même, je vois à peu près où t'étais, tu m'as pas précisé que t'avais posé le bras contre le mur, mais c'est juste que tu fais un pas en arrière, tu recules et tu longes le mur de quelque part. Ah oui, ça oui. Je passe à Edgar qui est le premier à agir avant Baldur. Mais moi, je me souviens que j'avais Baldur devant moi et en ligne droite, j'avais le dos de la bête que je voulais charger pour frapper son poing. De toute façon, j'imagine que Baldur, dans le même mouvement, il va charger. Donc je vais m'avancer pour essayer de frapper la bête, tant pis, dans le noir. En essayant de voir si je me souviens où était le point faible ou pas. Edgar, tu fonces en avant. Sur le fait que tu te rappelles de la position de Baldur et vous avez très souvent fonctionné ensemble, tu sens que la créature est bloquée. Sa puanteur. Voilà, c'était ça, c'est elle qui émettait cette puanteur. Edgar, tu frappes, tu ne la toucheras que sur 25 ou moins. Tu dois l'entendre en plus, j'imagine. Tu la vois pas. Donc j'ai lancé aider, mais j'ai pas regardé le résultat. Tu as loupé, tu peux relancer. Car il a la haine. Et il a loupé à nouveau. Dommage. Tu frappes. Tu n'entends qu'un bruit métallique. Baldur. Ouais, alors je resave juste Discord pour cacher le truc, mais pouvoir jeter des dés. Voilà. Oh merde, ça marche pas. T'inquiète pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Jouer le jeu, simplement. Du coup, je l'ai entendu. Tu as senti Edgar te bousculer pour passer. Mais pas vraiment en te bousculant, il a juste chargé. Après, techniquement, c'est du coubain souterrain. J'ai pas d'expérience avec ce genre de truc. J'ai pas dit quel malus tu avais par rapport à Edgar. Alors, de mémoire, si j'avance pas tout droit, mais en faisant peut-être un tout petit pas vers la gauche et après en allant. Non, attends. Allez, c'est de l'action là tout de suite. Oui, non, mais je me reçois. Ah, oui, mais c'est de l'action gros, tout de suite. En gros, en faisant un petit pas vers la gauche et après dans l'autre droit, je peux essayer d'atteindre une de ses jambes. Allez, vas-y, c'est parti. J'ai fait le petit pas et tu avances. Tu sens qu'il y a une énorme masse de chair devant toi. Tu frappes, mais tu frappes non pas à 25, mais à 40 au moins. C'est moi, frappe pas. c'est lui la masse de chair qui pue. allez. Ça loupe. Tu frappes aussi et ça tape là aussi. Dans du métal. Le tour est terminé, c'est à ma créature d'agir, je le fais en dé ouvert. Elle a tous ses yeux fermés. Elle est tout simplement en train, vous entendez des énormes amas de pierres bouger, mais vous sentez qu'elle grogne comme si elle n'arrivait pas à sortir de ça. Elle est peut-être gênée par le cadavre qu'elle a dans la patte gauche. Sans drôle, un peu comme un elfe. Bizarre. Nouveau tour. Elias, c'est le plus rapide d'entre tous, tu peux réallumer ton bâton. Ça sera ton action. Ça me fera mon action, ouais. Bah écoute, je vais faire ça, hein. Je veux pas non plus... Tu réallumes ton bâton. J'ai droit à un mouvement. Tu as un mouvement par contre, oui. Bah je continue à reculer. Il réallume son bâton en reculant, messieurs, vous êtes au contact. Edgar, Baldur, vous avez tenté de frapper, mais vous avez loupé vos coups malheureusement. La surprise au moment de votre charge de la disparition de la lumière... Vous a gêné, Abusen, c'est ton tour. Et devant toi, une énorme masse de chair bloquée dans un mur et deux de tes alliés en train de l'affronter. J'ai pas entendu. Je déclare cette cible comme cette engeance comme ma cible d'exécution. Très bien. Aucun malus de tir sur une cible désignée.
je prends mon flingue avec une balle en argent et je vise le point faible. Très bien. Tu as plus 20 sur ta CT car c'est ton premier tir de pistolet sur un mort-vivant ou une créature démoniaque. Tu es à 6, 7, 8, 85 en agressif. Et vu le temps que tu as mis à garder ton tir, tu tires avec seulement la balle en argent ou les deux flingues? Tu vides les deux? Une seule. Une seule. Eh bien, c'est très simple. Je te mets une réussite à plus 10 encore derrière. Donc, échec critique ou réussite? Et toi, toi. Le tir est passé. Je fais une résistance en décaché. Fais tes dégâts. Tu es en défensif. Ça sera un 12. 12 plus... Non, rien. C'est 12 seulement. Tu as visé et atteint ta cible, mais pas à la réussite totale pour faire le one-shot dans le point faible. Tu as fait 12. Tu as atteint ta cible. Et la créature s'effondre. Elle a un soubresaut. Et elle reste plantée dans le mur et s'écroule au sol d'une manière totalement ridicule. Sur Eden. Parce que là, si on attend, il va être transformé en œuvre d'art moderne. Ça, accrochez-vous. Je vais finir en mort-vivant. Je vais revenir vous buter en mort-vivant. Je vais directement essayer de soulever le bras du monstre pour essayer de sortir d'Aedan de dessous. Je vais aider Edgar. À deux, pas de test, vous y arrivez. Edgar tombe au sol, il est dans l'inconscience. Edgar, un tour entier s'est passé. Tu me fais un test d'endurance. Tu as 30 ou moins. Aedan. Aedan, pardon. Ouais. Ok. 30 ou moins. Oh putain. Oh mon dieu. Ah, la crise cardiaque. Oh non. Oh, pas comme ça. Ça a été à la fois, je crois, ta session la plus réussie, mais aussi celle qui te verra mourir, cher ami. Oh non. Ouais, vous êtes tous écartés, voilà. C'était vraiment le pire moment. C'est quoi, ces fiers compagnons, maintenant? Edan, tu vas perdre un des 12 PV. Si okay. Je fais le 12, tu es mort. C'est toi qui le jette? C'est okay. Moi qui le jette. En dé ouvert. Si je fais 12, je suis désolé, Edan. C'est un échec critique. Tu seras mort. Ok. Tu perds 6 PV. Ok. Tu es à moins 6. Quand il te tire, il voit que tes deux jambes sont brisées. Oh. Ah, c'est comme un cheval, il faut peut-être l'achever. Hein. Attends, c'est le plus frêle qui a pris la charge de plein fouet, hein, c'est terrible. Je me tourne vers Elias et je dis, est-ce que la magie que vous avez utilisée pour me revigorer refusionner ses os? Malheureusement, Elias, non. Tu me fais un test d'intelligence, s'il te plaît, sans échec critique, c'est la seule chose que je te demande. Voilà. Il y a des 16 de bâtards. Enlevez tous vos casques. Sauf Elias, bien sûr. Elias, la situation est critique. Au moment où Edgar te pose cette question, tu as peut-être une chance. Une seule. Le Vansiish omniprésent ici. Le même contact que tout à l'heure quand tu as bu toute l'énergie nécromantique qui était présente ici. Tu pourras peut-être sauver ton camarade, mais au risque de ton âme. C'est bon? Je vais tenter le coup. Remettez les casques. Est-ce que c'est une goule qui la frappe toujours en premier? Edgar, quand tu as posé cette question à Elias, quelle est ta réponse? Qu'est-ce que tu fais? Tu vois que Elias, il prend un visage extrêmement grave, il regarde Aedan, il se retourne vers toi et Abusen.
C'est une situation désespérée, mais je peux tenter quelque chose. Cependant, c'est quelque chose que je n'ai pas du tout l'habitude de faire. Alors, je vous demanderai, toi et vous deux répurgateurs, prêtres guerriers, si jamais, pendant que je le tente, je vais tenter de sauver la vie de notre ami, mais si, pendant que je le tente, quelque chose se passe mal, n'hésitez pas à m'exécuter. Je ne veux pas que le chaos puisse rentrer par moi. Mais je peux tenter de le sauver. Qu'est-ce que vous avez tenté exactement ? Ouais, pareil. Je vais... La tour est embaumée, est remplie en fait du vent de Siche. Lorsque nous étions à l'étage du dessus, après que le vent m'ait échappé, j'ai inspiré le vent de magie, j'ai attiré à moi le vent de magie pour me soigner, pour me guérir. Je vais tenter de faire la même chose à Aedan. Mais ce n'est pas... Aspirer ainsi un vent de magie est quelque chose de très délicat. Donc je préfère surveiller mes arrières, mais il y a cette possibilité pour sauver Aedan et je veux la tenter. Et du coup, je me retourne. C'est la seule chance, vous en êtes sûr et certain, vous aussi. Je propose que... Attends, il a calé. Ouais. Au moment le pire, je ne jetterai pas CD. Alors, attends, la caméra. Attends, on n'a rien dit encore, c'est au gars de répondre. Voilà. Bah du coup... Attends, c'est au gars de répondre. Edgar et Lucien. Je pense que s'il fait son sort, je propose que Edgar ait le marteau prêt à écraser le cadavre d'Aedat et moi prêt à faire exploser la tête de Elias. Non, je me propose pour faire sauter la tête de Elias si jamais il se laisse emporter. Bon, bah tu chopperas les jambes. Voilà. Très, très bien. Votre allié elfique est presque irrécupérable. Seul un pas vers l'ombre pourra le sauver. Elias se concentre. Et Elias... puise dans le vent de Siche.